Retour à l'école L'Austrea, où j'ai passé 3 années, de 2009 à 2012, si ma mémoire est bonne. Juste avant la création de l'association L'Esprit du Lieu. C'est un endroit important pour moi. J'y ai fait intervenir Cossier Fouy et Jean-Luc Parent. Et depuis, j'ai gardé des relations amicales avec certaines enseignantes et avec Martine, la directrice. Ce jour-là, une fête est organisée à l'occasion de son départ en retraite. J'en profite pour filmer ces lieux chargés de souvenirs. Je sais que les espaces ne gardent pas les traces de notre passage. Je sais que tout disparaît. Seule notre mémoire conserve les signes du passé. Seule notre mémoire est capable de projeter les présences éphémères des êtres que nous avons croisés ici. Seule notre mémoire. De la mise en scène. Je vais faire ça avec deux groupes. On commence la semaine prochaine et c'est vrai que c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vraiment suivre ce. Je parle beaucoup, non ? J'ai tendance à beaucoup parler, donc. Un peu débordant. C'est de suivre vraiment ce processus, on va dire, parce que voilà, moi je les accompagne, mais c'est vraiment les enfants qui vont faire les. Qui vont être photographes et photographiés. Et donc voilà, c'est partir de cette de la prise de vue jusqu'à l'exposition, parce que l'idée c'est d'imprimer en fait les tirages, les photos, et puis les présenter. Donc c'est vraiment de leur montrer un peu un processus de création. C'est très modeste, hein, mais je voulais dire un autre truc, j'ai plus que ça. C'est bien déjà, mais voilà. Enfin, voilà. Donc. Vous avez deux groupes d'enfants, vous pouvez préciser. Pardon ?
Vous disiez deux groupes d'enfants. Donc du coup, on va avoir deux groupes de 10 enfants. La semaine, en fait, est répartie sur 2 jours et demi, plein, et du coup, on va faire des demi-journées à chaque fois. Donc du coup, un groupe A sur une journée, un groupe B sur une journée, et la dernière demi-journée, en fait, c'était faire les impressions et puis l'accrochage avec tout le groupe. Et du coup, on sera accompagné, je pense, d'un animateur, voilà.